Hey tout le monde, c'est la Clam Steam, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel sur Zelda Tears of the Kingdom dans lequel je vais vous montrer comment débloquer toute la tenue de chute libre, donc la tenue qui va vous permettre de voler plus vite dans les airs. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et tu peux déjà aller voir les vidéos sur la chaîne, notamment une vidéo déjà disponible pour récupérer l'intégralité de la tenue Yiga ou la tenue du dieu démon. Donc je vous invite à aller voir ça si vous voulez savoir comment avoir les autres tenues du jeu. Allez, on commence sans plus attendre. Dans un premier temps, on va devoir se rendre et bien à la tour du mont Labula, donc vous voyez que j'y suis déjà et on va tout simplement aller dans les airs. Je vais vous remontrer un petit peu où est la tour du mont Labula, mais vous allez voir, vous pouvez pas la louper. Et sur la gauche, vous voyez juste ici, hop, on va activer le planeur dès qu'on peut et je vous ouvrirai la map. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, la tour du mont Labula est en haut à gauche de la carte, elle est juste ici où normalement c'est assez simple. Et vous allez ensuite donc activer votre parabole puisqu'on va devoir viser eh bien ce petit îlot juste ici. Donc on est parti. En faisant attention eh bien, d'avoir assez d'endurance. Hein. Normalement ça devrait passer. Je vous retrouve du coup eh bien, une fois que j'y suis. Ok, une fois que vous y êtes, vous allez voir c'est assez simple. On va eh bien, activer ce portail si vous ne l'avez pas déjà fait. Moi je l'ai déjà fait, je vais vous expliquer tout simplement. En fait ce portail doit être activé pour eh bien, débloquer un sanctuaire qui se trouve juste ici. Et vous allez devoir donc sauter à travers des cercles verts. On va devoir le refaire une deuxième fois de toute façon, vous inquiétez pas, je vais donc vous montrer. Donc une fois que vous l'avez fait une première fois, vous allez arriver au niveau de l'eau ici. Donc je vais me téléporter comme ça, vous allez pouvoir comprendre. Eh bien, assez facilement. Voilà, donc une fois que vous l'aurez fait, ça va tout simplement vous débloquer le sanctuaire puisque ça va faire le cristal vert. Et vous allez devoir ensuite parler, eh bien, à ce golem assistant qui va nous parler d'une certaine épreuve. Je pense que tu es prêt, la cérémonie du plongeon céleste. Et donc on va lancer, eh bien, cette fameuse... cérémonie qui va nous permettre de débloquer le haut de la tenue, vous allez voir. Là on va lui dire tiens, allez hop. Allez, le but va être de finir en moins de 35 secondes, vous allez voir que ça va être assez simple. Il faut juste faire attention à bien prendre eh bien, tous les anneaux. Donc normalement vous avez suffisamment le temps, donc n'hésitez pas à bien réactiver votre planeur si vous avez peur d'être un peu juste. Vraiment ça me rappelle Ultra Soleil, Ultra Lune, c'est fou. Là vous voyez j'étais un peu juste. Voilà, et le dernier qui va être eh bien juste ici. Bon, là, on est large. En 22 secondes, vous voyez donc, en 35 secondes, ça se fait largement. Là, j'ai limite pris mon temps. Je pense qu'en 15 secondes, il se rentre. Mais comme ça, vous voyez, 35 secondes, vous êtes plutôt large. Et on débloque la combinaison de chute libre qui va augmenter notre mobilité eh bien dans le ciel. Allez, pour le bas de la tenue, cette fois-ci, on va se rendre eh bien à la tour du haut, donc la tour des ruines des obscurcies qui se trouve en haut au milieu de la carte. On va, vous l'avez compris, encore une fois, eh bien, s'envoler. J'ai mis déjà le premier élément de la tenue parce qu'il est plutôt fun quand même. Et la tenue est quand même plutôt cool, vous allez voir. Allez, on va activer eh bien, dès qu'on peut le paravoile. Voilà, on va chercher, voilà. On va viser tout simplement cette zone. Vous voyez en bas normalement il y a un sanctuaire juste ici. Donc on va viser le sanctuaire dans un premier temps. Vous voyez qu'on va nettement plus vite qu'avec le planeur. J'ai visé un poil trop bas, mais c'est pas grave, ça passe quand même. On va ensuite eh bien, sauter en direction du sanctuaire qui est juste là. D'ailleurs, sanctuaire qui sera bientôt en vidéo. Hein. Vous vous en doutez, puisqu'ils vont tous avoir le droit à leur petite vidéo. Et une fois qu'on est là, on va partir juste ici. Vous voyez sur cette espèce de tour là, on va viser eh bien, le petite zone d'eau juste ici. Vous allez voir que c'est pour ça que le début de la tenue sert déjà pas mal puisque ça va nous permettre de descendre un petit peu plus vite. Allez, on va plonger histoire de gagner un peu de temps. Et hop, planeur. Normalement ça va passer en endurance, hein, surtout si vous prenez le temps de bien récupérer votre endurance avant. Voilà, on y est presque. Donc ce qu'on fait, c'est que je vous retrouve une fois que je suis au niveau de l'eau. Allez, me voici arrivé, et vous l'avez compris, on va faire exactement la même chose sur cette île pour débloquer le bas de la tenue. On va parler au golem assistant pour l'épreuve, c'est ici. Donc on va sûrement devoir faire l'épreuve, un parcours d'essai, voilà. Donc le premier essai qui va être assez simple. Pas de limite de temps, mais comme ça vous pouvez voir eh bien, le parcours. Donc je vais le faire une première fois assez rapidement, histoire que vous voyez ce que ça donne. On va perdre de temps, l'île de l'épreuve de la bravoure, et c'est parti. Je vais essayer de le faire sans activer le planeur, voir si je galère ou pas. Ouais, là je suis obligé. Ah ouais, ok, il tourne. Bon, en vrai, il se fait quand même relativement facilement. Hein. Hop. On va retourner parler au golem assistant. Ça va nous débloquer évidemment bah, le cristal pour le sanctuaire. On retourne parler eh bien, au golem assistant juste ici. J'espère que tu feras aussi bien en conditions réelles. D'accord, une orbe d'énergie sono. Tiens, j'ai oublié de vous préciser, mais il va vous falloir
eh bien 3 énergies d'orbe sono, puisqu'il vous en faut une pour chaque bout du costume, tout simplement. Allez, on est parti. 35 secondes toujours, donc ça devrait passer plutôt facilement. N'hésitez pas à toujours repiquer en direction du centre, parce que pour atteindre les cercles, après, c'est toujours plus simple. Hop. Oui, celui-là, il va être un peu chiant. Et on est arrivé en 22 secondes, comme tout à l'heure. Nouveau record. Let's go. Tu as terminé en 22 secondes et on débloque les chausses de chute libre. Il nous reste plus qu'à attraper le haut. Donc on passe tout de suite au haut de la tenue. Ok, pour récupérer le haut de la tenue, on fera attention ici d'ailleurs, on est en zone froid insupportable. On va donc en profiter pour l'instant mettre tout simplement la nouvelle tenue. Hein. On s'en fiche un petit peu qu'il fasse froid, c'est pas très grave. On va faire comme ça, on sera pas embêté. Pour récupérer donc le haut de la tenue, on va se rendre tout simplement à la tour de la montagne de l'Anel. Et encore une fois, vous l'avez compris, on est parti pour aller bien dans le ciel. Et dans le ciel, on va devoir viser ce petit îlot dans un premier temps. Puisque, alors on va se mettre dans le bon sens. Puisque vous allez voir qu'il y a un petit module sympa à récupérer pour pouvoir se rendre assez rapidement et de la manière un petit peu fun. À l'endroit où vous pourrez trouver le haut de la tenue, vous allez voir que ça va être assez simple. On est toujours en zone de froid, du coup n'hésitez pas à mettre les bottes, hein. Moi c'est pas très grave, je pense que ça va quand même passer largement. Vous voyez que c'est cette zone qu'on va devoir viser, mais du coup pour gagner un peu de temps on va prendre tout simplement un véhicule. Un véhicule qui se trouve juste ici, vous allez voir ça va être plutôt fun. Je vais essayer de grimper sur ce rocher puisque je suis arrivé un petit peu trop bas, mais c'est pas grave. Ok, on peut se débarrasser du golem ici si vous voulez, mais c'est pas obligé, voilà. Ok, on peut donc maintenant récupérer le véhicule ici qui est déjà fabriqué. Et on va le piloter comme ceci, puisqu'on va partir directement en piquant en direction de cet îlot. Voilà, les batteries cassent, c'est normal, c'est pas très grave. Le but, ça va être de s'approcher un petit peu de l'îlot pour pouvoir plonger directement directement dans l'eau. Vous allez voir, dès qu'on se trouve un petit peu dessous, comme ça on va gagner du temps. Ok, je pense qu'on est pas mal. Et on va plonger en plein centre. Voilà. Hop. On va donc aller parler, vous l'avez compris, au golem assistant juste ici, qui va nous faire faire une course d'essai, puisqu'on n'a pas débloqué le sanctuaire encore, il me semble. Voilà, ok. Allez, on active le terminal de départ. Et on est parti pour faire, dans un premier temps, une première fois la course, tout simplement. Allez, c'est parti. L'île de l'épreuve de l'héroïsme. C'est parti. Bon, on n'est pas chronométré pour la première fois, je vous rappelle, mais ça, si vous voulez tester un petit peu des trucs marrants, ça peut être l'occasion. Hop. Ouais, c'est un peu plus serré quand même. Hein. 35 secondes vont être un peu plus chiantes à caler, je pense, sur celui-là. Mais du coup, vu que vous avez déjà deux bouts de la tenue, je vous ai donné les étapes dans l'ordre le plus utile. Donc vu que je vous ai déjà donné les deux autres parties de la tenue, vous pouvez tout simplement les mettre pour pouvoir un petit peu moins galérer. Et on récupère un cristal qui va se transformer en sanctuaire, vous l'avez compris. Sanctuaire qu'on fera en vidéo. Et on va parler au golem assistant pour faire une dernière fois l'épreuve du plongeon. On va lui donner une orbe d'énergie sono, il n'y a pas de souci. Très bien, je vais t'emmener au point de départ et on est parti. Allez, on va voir si elle est aussi simple que les deux autres. Vous voyez qu'en fait, avec les deux autres bouts de tenue, si vous relâchez le R pour descendre, ça se fait plutôt bien quand même. Ok. C'est vrai que la tenue est folle, hein. Par contre. Regardez comment la précision que j'ai pour me déplacer, c'est insane. Hein. C'est de la pure dinguerie, je pensais pas que c'était à ce point-là. Et on finit en 24 secondes. Un score, ma foi, pas si dégueu que ça. Et on récupère donc le masque de chute libre. Ça fait plutôt plaisir. Et une grande orbe d'énergie sono. On va donc mettre le masque de chute libre pour arriver à une mobilité totale de 6. Dernier petit conseil avant la fin de la vidéo, une astuce plutôt utile. Vous pouvez, à l'aide des fées, améliorer la tenue. Le tutoriel arrivera bientôt. Mais sachez que si vous améliorez la tenue de chute libre, vous ne prendrez plus de dégâts de chute lorsque vous plongez. Donc c'est-à-dire que lorsque vous allez faire ça, vous ne pourrez plus prendre de dégâts de chute et vous ne mourrez tout simplement pas. Et effectivement, c'est quelque chose de plutôt cool. En tout cas, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas non plus à la liker. Et sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines astuces. Salut les aventuriers!